Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Planet Zoo. Donc la dernière fois, on était en train d'aménager l'enclos des Lycaons. Et là, vous voyez, j'ai installé mes Lycaons. Alors je vais mettre pause, je vais remettre pause. Et j'ai terminé leur enclos que j'ai bien aménagé. Je leur ai fait une petite grotte, une tanière dessous, où ils peuvent aller se mettre. Hop. Là, j'ai fini l'espèce de petite rivière. J'ai mis un rondin qui pour qu'ils puissent passer par-dessus. Une petite cascade ici, une cascade là. Comme ça fait un joli petit décor pour les bateaux. Il faudra que je rajoute quelques petites plantes à l'intérieur, peut-être. Sur les rochers, là, ce serait pas mal. Et voilà pour les hippopotames. Donc là j'ai terminé un peu, j'ai fini la déco là sur les barrières des hippopotames en verre pour finir là pour que ça fasse joli. Voilà, j'ai mis un peu des pierres là de partout. Il va falloir en mettre par là aussi. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai un peu fait une grotte ici pour que les hippopotames puissent venir. Je mettrai des pierres devant là pour faire joli. Et voilà donc ce que j'ai fait hors vidéo. Donc maintenant, j'ai eu une super bonne idée. Le truc, c'est que ici, je savais pas trop quoi faire dans ce coin. Donc l'idée, ça va être d'attaquer ici la zone type Europe. La zone Europe avec des bâtiments plus classique, un peu style ville française parisienne, vous voyez ce que avec des grandes façades, des fenêtres, tout ça, un peu bâtiment classique quoi. Je vais essayer de trouver des bâtiments tout faits sur le workshop parce que j'ai pas envie d'y passer des heures. Je les modifierai sûrement un petit peu à ma guise parce que j'aime bien quand même adapter les bâtiments à ce que je veux. Donc voilà, donc ça veut dire que ici les abris qui seront, enfin les abris, les enclos qui seront de ce côté-ci seront des enclos d'animaux européens. Alors je sais plus exactement. Ah, faut que j'aille voir ça. On va aller voir ça après. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a comme animaux européens. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Donc il faudra regarder, vu que je pense qu'il n'y en a pas des masses. Ça devrait aller assez vite pour faire cette zone. Voilà, on pourra mettre les flamants roses par exemple. Ça serait pas mal. On pourra mettre quoi? Ah non, les grizzlies, non, les guépards. Ah oui, les guépards, tiens, on va en parler après. On va s'occuper de leur enclos, là, j'ai commencé. Donc tout ça, c'est tout pas l'Europe. Il y a vraiment pas grand-chose en fait en Europe, hein. Les loups gris, voilà. Donc il y aura les flamants roses, les loups gris, les loutres, peut-être non même pas. Il n'y a vraiment pas grand chose en Europe, hein. Ça c'est tout l'Afrique, ça c'est l'Asie. Ouais, il y a peu d'animaux européens. On mettra les paons. Ouais. Même si c'est indien. Peut-être. Les phoques, hein, les phoques, tiens, voilà. Les rennes aussi, sûrement. Ouais, on mettra les rennes aussi. Ouais, il y en a quelques-uns quand même, du coup, hein. Les rhinocéros en Inde. Ouais, il n'y a pas tant d'animaux que ça, hein. Ouais, ça suffira. Le coin est pas très grand. Peut-être qu'on mettra les tortues. On fera peut-être un coin tortue, on verra. Ouais, il n'y a pas tant de trucs que ça finalement. Il y a 3 ou 4 animaux. 3 je crois, du coup. Ouais, les rennes, les phoques, les loups. Les rennes, les phoques, les loups. Et on a dit le dernier. Je sais plus déjà. Le flamant rose, ça fait 4. Ok.
Bon, ça suffira, hein. 4 animaux là. Je pensais faire une zone un peu plus grande. 4 animaux, ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. 4 enclos là. Là, on fera un espèce de bâtiment. On fera pas mal de boutiques du coup. Ouais. On fera pas mal de boutiques du coup. Donc là, il y aura un enclos par là, un par ici, un par ici, un par là. Voilà, 4 enclos autour là, ce sera pas mal. Et après, là, ce sera la zone. J'ai pas encore trop décidé. Est-ce que je fais. Amérique, ou peut-être je pourrais faire Amérique du Nord, Amérique du Sud, vous voyez, et ou alors Asie. Ah non, j'avais dit que je ferais Asie parce que là je vais faire ma pyramide avec les alligators, enfin les crocodiles et les dromadaires qui viennent d'Asie. Chameau ou dromadaire, je ne sais plus. J'ai commencé un peu à essayer de faire la montagne ici avec ma vallée là que je voulais faire, j'en avais parlé. Donc j'ai commencé un petit peu à la définir là. Et puis là après on verra où j'en suis. En tout cas, je suis bien content de mon zoo, hein. Je suis assez fier de moi. Ok, donc aujourd'hui on va s'attaquer à cet enclos là que j'avais laissé. Enfin, j'avais même pas fait d'enclos d'ailleurs. J'ai fait l'enclos hors vidéo là. Et normalement j'ai acheter des guépards. Voilà, ils sont en train de les emmener d'ailleurs. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Alors attendez, avant de regarder les guépards, on va regarder une chose. On va regarder ça. Là, on a. Il y en a qui ont eu des petits, on va aller voir. Donc les varirous, les springboks. Okay, Varirou Springbok et on va aller voir là donc le zèbre des plaines c'est un mâle, il a pas de médaille donc il doit pas être terrible je suppose. Ouais, bon on va le vendre, on va le relâcher à la nature 20, voilà. Hop, et on a un gorille. Ah, reproducteur, sociabilité de l'animal est moyenne. Social. Sociabilité de l'animal est moyenne. Comment ça se fait? Ah, oui, d'accord. Il y a un bug sur l'escalade. Alors ça, c'est un peu pénible, hein. Ok, j'ai vu aussi que voilà, j'avais sûrement la même chose sur les bonobos, comme d'habitude. Comme d'habitude. Hop, on va faire juste ça. Voilà, claque jusque ça. Réactive. Le calcul est normalement voilà. Normalement, ça devrait être bon. Alors, si je vais par contre, hop, je fais pause. Gorille des plaines est adulte. Donc, lui, c'est un mâle. Il faut que je l'enlève. Ah non, c'est le mâle reproducteur. Oh, il est gros. Oh, il est vraiment balèze. Il est balèze. Ok. Et donc, lui. Ah, il a peu d'immunité, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai comme gorille? En même temps, on va aller voir les varirous et les springboks. Alors, zoo, animaux, clac. Allez, ferme-toi. Alors, les gorilles. Les gorilles. Ils sont là. J'ai un mâle, j'ai qu'un seul mâle, c'était lui, mon reproducteur. Et après, j'ai des femelles. Dont une femelle qui est assez vieille. Et on va les garder en reproductrice les autres. Ah mais attendez, c'est peut-être sa fille. Non, c'est sa sœur, je crois. Est-ce qu'elle a des relations avec le mâle? Ouais. Donc il faut pas qu'elle soit reproductrice, elle. Elle, il faut qu'on la garde pour plus tard. On va la garder pour plus tard. Hop, voilà, donc les guépards, eux, ils sont en train d'aller. J'ai pris 3 guépards dorés. Hein. J'ai dépensé sans compter. Hop, donc, du coup. Oh, la hyène, elle est déjà vieille. Pouah, ça va trop vite. J'ai dit les varirous et les springboks. Mais les lions, ils font plus petits, hein.
Ah oui, mais en même temps, il n'y a qu'une femelle reproductrice qui est vieille. Oh mince. C'est pour ça qu'ils font plus de petits, les lions. Est-ce qu'elle est stérile? Non, je crois pas, on dirait pas. Elle est pas stérile. Alors lui, pourquoi je l'ai pas mis progéniture Esh, ok, donc effectivement. Frère et sœur. Tac, 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 ouais. Ah ouais, d'accord, Esh, c'est sa fille et sa sœur. C'est sa fille et sa sœur. Oh. Quelle horreur. Ok. C'est pas cool. Donc il faudra sûrement que je rachète une lionne ou un lion. Un lion serait peut-être plus malin. Donc j'ai dit les varirous et les springbok. Les varirous et les springbok. Alors springbok. Ah oui, alors lui, centre d'échange. Donc non, c'est bon. Donc a priori, je pense que je l'avais fait du coup. Leur mettre le marquage. Si, ouais, je l'avais fait. Très bien. Donc on va s'occuper. On va attendre que les guépards arrivent ici. Et on va s'en occuper. On va s'en occuper. Je sais pas où il est, mais il va pas tarder à arriver. Alors, ah, notre lionne, finalement, elle va avoir des petits. C'est une bonne nouvelle. On va peut-être pouvoir. Oh, les dingos, très bien. On va peut-être pouvoir avoir des bébés lions. Donc, il est où mon guépard? C'est où que j'ai mis la porte ici? Ah, il est là, il arrive là-bas en courant, avec la caisse du guépard. Ça, je l'ai fait. Là, on va attendre. Tac, tac. Ce qu'il faudra que je fasse aussi, c'est ici, là. Je voulais faire une petite cascade, là, dans le coin. Recherche terminée. Hop là, c'est pour les dingos, très bien. Il faudra qu'on augmente la qualité de nourriture un peu de tous pour qu'ils soient un peu plus heureux. Là, lui. C'est un mec qui nettoie, qui amène les animaux? Un gars qui s'occupe de l'entretien? Agent d'entretien qui transporte un guépard. D'accord, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Après tout. Ah! Quelque chose que j'ai oublié de faire, tiens, j'y pense maintenant. La saleté de l'habitat. Vas-y, un soigneur. Oui, c'est toujours ces habitats-là. Ah non. Ok, ouais, c'est les habitats où il y a beaucoup d'animaux, hein, toujours. Ok, alors là, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, elle qui est à vendre. Ouais, tout à fait. Hop, on relâche dans la nature. Allez. Allez. Ok, très bien. Une hyène va avoir des petits aussi, très bien. A ah, eu des petits. Ah, oh là, mais il y a eu plein de petits là. Springbok encore. Donc là, j'avais fait cela, on est d'accord. Gestante. Donc, Springbok a eu des petits, Koala a eu des petits, et Hyène a eu des petits. Très bien. Alors, on va aller voir ça. On va pas avoir le temps de faire grand chose. Attendez, faites voir les recherches. Ouais, si, j'en ai mis quand même plusieurs. Ok, alors les animaux, on a dit. Les springboks, les hyènes et puis je sais plus quoi. Les dingos, non, c'est pas ça. Oh, les dingos, je les laisse se débrouiller. Koala. Koala, springbok et hyènes. Alors, les hyènes, elles sont là. C'est fût. C'est un mâle argenté. Bah on le vendra, lui, hein. Ah non, attendez. On va le garder. Là, c'est une femelle alpha, donc c'est la femelle qu'on changera.
On va garder les mâles. On va le garder, on verra pour le moment. Alors les Springbok, allez quoi là, ils sont là. Non, voici là. Quoi là, quoi là, quoi là. On a eu un bébé là, une femelle. Une femelle argent, enfin bronze, pardon. Ouais, on va la garder aussi. Les femelles, on les garde. On a deux enclos des koalas, donc on pourra faire des échanges d'enclos. Ce serait pas mal ça. Ça, ce serait une bonne idée d'avoir deux enclos de chaque animal en fait. Séparer les enclos, avoir deux enclos. Et on garde des mâles d'un côté qu'on passe. Quand on a des bébés mâles d'un côté, on les passe avec les femelles. Et quand on a des bébés femelles de l'autre côté, on les passe avec les mâles. Ce serait pas mal ça. Mais bon, ça ferait un zoo monstrueusement grand. Alors, les Springbok, là, c'est un mâle doré. Bah, les mâles, eux, on les vend. Les dorés, enfin, de toute façon, ça se vend rien, les Springbok. Donc on s'en fout. Voilà. On s'en fout complètement. Voilà. Et du coup pour les animaux d'Afrique, eh ben on va continuer ici, peut-être un peu là du coup. Là je peux en mettre, j'avais dit que j'en mettrais 3 du coup. Un enclos là, peut-être même 4. Là je peux peut-être même faire 4 enclos. Vu que là ma route elle va passer ici tout le tour, pour rejoindre celle-ci. Donc là on pourra faire le maximum d'enclos possible. Et je pense qu'on devrait être bon en termes d'animaux d'Afrique. Après on pourra s'attaquer à une autre région. Ok, donc là mon guépard, il est arrivé ici. Ah, il arrive, il peut encore arriver. Hop là, ploup. Paf. Elles sont pratiques ces caisses. Hein. Ok, mon guépard est arrivé au zoo. Grenouille Goliath a eu des petits, donc ça on s'en fiche. On les vendra. Alors, mon guépard. Ah, il est beau. Il est beau mon guépard. Ok, alors, eh ben, on va commencer par le terrain. Donc le terrain, il est à 4500 m² alors qu'il a besoin que de 700 m². Mais bon, je me dis, un guépard, ça court, un guépard, d'accord. Donc, eh ben, ça a besoin de grand. Donc ils vont avoir grand. Voilà, donc les guépards pourront être vus d'en haut ici, et là... À l'observatoire des hippopotames, on pourra les observer d'ici et de là. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, ils ont besoin de beaucoup plus d'herbes courtes. Donc déjà, on va prendre le pinceau herbes courtes. Et on va faire comme ça, là. Voilà, on va pas s'embêter. Hop là, on enlève toute l'herbe longue. On va mettre un peu... Ils aiment bien avoir un peu de terre et un peu de roche. Alors, je sais pas du tout par contre comment je vais faire. Parce qu'il leur faut un abri solide. Là, on est d'accord, il va passer à zéro. Il a peut-être pas besoin d'abri, lui. Le guépard, c'est un animal qui vit à l'extérieur. Qui va grimper dans les arbres et qui va dormir dans les arbres. Et ouais... Donc il a pas besoin d'abri solide lui. Ah donc c'est pas mal, on va mettre des acacias faux-gommiers, ça c'est, il doit bien aimer ça. Alors il y a des plantes qu'il aime pas là. Bon c'est pas grave. Alors, prairies et déserts d'Afrique. Nature, ouais, j'aimerais bien mettre du sable quand même, qu'est-ce qui est. Sable, faut en mettre un peu, ouais, on va mettre un peu. C'est trop verdoyant pour moi je trouve. Pour un enclos de guépard. Alors. Hop, on va mettre un peu de terre. Ça aime bien avoir de l'herbe quand même. Hein. De la roche, pourquoi je mettrais de la roche? Du sable plutôt. Ouais, bon, on va laisser comme ça. Ça fait un peu bizarre quand même. Ça fait un peu dégueulasse.
Voilà. Ça fait vraiment. On va mettre des arbres pour pas qu'on voit le terrain. Comme quoi j'ai peint des ronds, quoi. Ok. Alors, nature. On a dit quoi? Prairies et déserts d'Afrique. Continent Afrique. Biome. Prairies, déserts. Hop, là on désactive les plans. Et on regarde ce qu'on a. Les fameuses acacias phogomiers, donc ça c'est. Ça ils aiment bien y grimper dedans, je pense. Donc on va en mettre un par là. On va en mettre un par ici. On va en mettre un grand. Ah là il y a le téléphérique, zut. Bah par là là. Clac comme ça. Et un autre un peu plus petit ici. Voilà. Baobab non. Ça c'est pas mal ça. Ça j'aime beaucoup. C'est sympathique. Ça aussi c'est pas mal. Alors, ah oui, ça aime quand même pas qu'il y ait trop de plantes. Donc on va voir comment on fait après. Les pierres, on s'en fout. Alors, on va essayer de mettre des petits buissons. Ça, c'est quoi ça? Un acacia caffra. C'est un autre type d'acacia. On peut mettre peut-être un autre type d'acacia comme ça. Hop, on va y mettre quelques rochers après pour que ça fasse bien. On va mettre des petits buissons. Hein, parce que ça fait toujours bien d'avoir des petits buissons. Hop. Voilà. Ces petits trucs roses là, j'aime bien, c'est joli ça. C'est pas mal comme ça, avec des petites plantes comme ça. C'est un petit peu gros, mais bon. Celle-là un peu grosse, ouais. Hop. Non, clac, c'est pas ça que je vais faire. C'est plutôt ça. Hop. Hop. Hop là. Petit truc comme ça aussi. Hop, les plantes s'aiment bien pousser là où il y a déjà d'autres plantes. C'est gros ça. Ça j'aime bien ça, mettre comme ça. Ça c'est classe comme ça. Hop. Du buisson, voilà. Hop. Voilà. On pourra peut-être leur mettre un petit. Une petite zone avec de l'eau, là, ce serait pas mal. Un abreuvoir là-bas. Ça, c'est la chose que j'oublie tout le temps à chaque fois, c'est de leur mettre un truc pour qu'ils mangent. Donc de l'eau déjà. Hop, on peut leur mettre un conduit d'eau par ici. Oh, oula. Dessous, là. Dessous, ce serait pas mal. Comme ça, là, choc. Paf. Oula, pas du tout. Pas du tout. Bah, par là, on va le mettre alors. Là, comme ça. Très bien. Très bien, très bien. Voilà. Et une mangeoire. Bah voilà, c'est celle-ci pour les guépards. La mangeoire, on va la mettre dessous par contre, la mangeoire. Ça marche pas. Ok, très bien. Fantastique. Devant alors. Ok, pourquoi ça fait ça? Plus au milieu alors. Ou plus par là vers les arbres là. Voilà. Très bien. Près du machin, là, ça ira très bien. On va mettre deux à côté. On va en mettre une autre par là. Voilà. Deux mangeoires, c'est très bien. Ok.
Donc ça, c'est très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre comme plante? Ouais, ça fait un peu bizarre là quand même. On va repeindre en herbe comme ça. Clac, 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 clac. Voilà. Là, c'est pas mal là. Là, c'est bien. Là, ça me plaît. Là, ça me plaît. Ok. Optimisation. Alors là, c'est simple. On va faire clac. On va prendre le guépard. On va aller dans la zoopédie. Normalement, je dois avoir ce qu'il faut, je pense déjà. Débloquer, à mon avis. Voilà. Alors, première chose à faire, c'est l'optimisation alimentaire. Un nourrisseur rotatif, une citrouille sanglante et une piñata. Allez. Alors, optimisation alimentaire. Citrouille sanglante. Alors ça, on va y mettre plutôt par là, comme ça les, enfin plutôt au milieu, comme ça les visiteurs ils pourront y voir. Pareil pour la piñata, on va la mettre par ici. Clac. Et le nourrisseur rotatif, c'est celui-là. On va le mettre par là. Là. Voilà. Très bien. Ok, donc là normalement je pense qu'en optimisation ils sont très bien. Et du coup maintenant les jeux. Les jeux. Alors un bloc à grattoir, ça c'est pas mal. Bloc grattoir, sac à viande, balle de tuyau, marqueur sanglant, un arbre de grattage. Ah c'est bien ça. On va mettre ces deux arbres là. Alors, jouet. Arbre de gâtage, pin sylvestre. Ça fait un peu bizarre, pin sylvestre, non? Un tamarinier. C'est mieux un tamarinier quand même. On va le mettre par ici. Pin sylvestre. Bon, pourquoi pas le pin sylvestre? Ça va pas trop avec l'animal quand même, non? Ouais, ça va pas trop avec l'animal, je trouve. Alors, une balle en caoutchouc, on va la mettre là. Le truc grattoir. On va le mettre ici comme ça. Hop. Il y a le marqueur sanglant qu'on va mettre par là. Il y avait quoi d'autre? Je sais plus. Il y avait ça, comme souvent, les arroseurs, ils aiment bien. Par ici, on va le mettre ça. Paf. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Sac à viande. C'est pas mal ça, le sac à viande. Allez, sac à viande, je pense que ça devrait être bon. On ira vérifier. Habitat. Sac à viande. Le sac à viande. Il y a beaucoup de choses. Hein. Voilà, par là, le sac à viande. Par ici. Paf. Ok, on va mettre un peu de rocher. Ça manque de rocher, je trouve. Savane. Je trouve que ça manque un peu de rocher. Dans les plantes, là, surtout, comme ça. Hop. Hop là. Pour leur faire une espèce de petit promontoire là où ils pourraient monter dessus. Hop. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça avec pourquoi pas. Il est où le bien plat là? Le plat est épais. C'est celui-ci? Ah oui, c'est celui-ci. Alors attendez, hop. Quelque chose comme ça.
Je vois bien quelque chose comme ça, moi. Hop. Avec du gros rocher comme ça qui est. Hop. Paf. Et puis paf. C'est pas mal ça. C'est joli. Voilà. On va juste y mettre quelques petites plantes. Voilà, pour agrémenter un peu. Hop là. Voilà, pas mal. On va remettre un petit rocher par là-bas. Je mettrais bien un petit rocher par là, moi. Comme ça. Hop. Voilà, c'est sympa. C'est joli. Ok, donc là, mon guépard, il a une grande zone. Il peut jouer, il peut s'amuser. Il a tout ce qu'il faut. Normalement, là maintenant, si je mets optimisation, voilà, c'est parfait. Il a même 10 fois de trop. C'est au top. Donc là, on a fini le guépard. Ok, on est bien, on est bien, on est bien partout. On est bien partout. Ah, il y a juste une chose que j'ai oubliée dans tous les nouveaux enclos, c'est de mettre des chauffages. Vous voyez comme il court là? Comme il s'est mis à courir. Ah oui, un guépard, ça court. Ah oui, voilà, c'est ça que j'ai oublié de faire. C'est ça que j'ai oublié de faire l'autre fois. Zoo. Personnel. Zone de travail. Là, c'est. C'est éléphant. Modifier la zone de travail. Ouais. C'est la zone éléphant. Paf. Donc, on met l'enclos dedans. Et voilà. Donc on est pas mal sur les zones de travail, je pense. C'est vrai que je donne des formations à mes employés. On verra plus tard, remarque. Hop. J'aime beaucoup ce truc-là, hein, que j'ai fait cette petite montagne. Là, je trouve ça super joli. Ah oui, je voulais y mettre des plantes, j'avais dit là-dedans. Bah justement, des plantes un peu comme ça, là. Ces trucs-là, là. Ces trucs-là, je trouve ça va bien dans les rochers, là, ça fait un peu plante grasse. Plante qui pousse sans eau, vous voyez. Qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Ouais, rien que ça donne tout de suite ça donne tout de suite de la vie, hein. Hop, ici, clac, et voilà. Rien que ça, tout de suite, on est bien. Ok, bah parfait. Parfait, parfait. Et ben écoutez, ça fait une petite vidéo de 30 minutes là, on est bien. On est bien, on a fait notre enclos des guépards. Donc ça fait que maintenant cette zone là est complètement terminée. Ah oui, non, il faudra que je mette des barrières là tout le long. Je récupère les barrières qu'on a là-bas et en mettre tout le long. Ce serait pas mal. Ça, ce serait pas mal. Et ben après on aura fini ce coin-là. Là, je mettrai un petit peu des plantes aussi derrière le panneau. J'ai mis le panneau déjà des guépards ici. Hop. Ouais, comme ça les gens là, ils pourront observer nos guépards d'ici. C'est pas mal. Il y aura le téléphérique qui passe au-dessus. Il faut que je change les couleurs du téléphérique, hein. C'est hideux. C'est vraiment hideux. Le vert, le jaune et le bleu là, bon. Faudra vraiment qu'on change ça. On va garder le truc en orange là, c'est pas mal. Mais on va changer les couleurs d'ici, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Ok, bah voilà. Là, faudra que je finisse ça, je ferai tout ça hors vidéo. Là, je vais essayer de trouver des bâtiments pour mettre ici là, de style un peu plus classique.
Et puis bah voilà, la prochaine fois je pense qu'on essaiera de finir l'île. Ce serait pas mal de définir les enclos ici. Il faudra qu'on définisse ses accès aussi. Là on enlèvera peut-être une barrière. Ou on fera l'accès par là là. Ah, c'est pas bête, on peut faire l'accès par ici. À l'intérieur de ce truc là. Ah mais il y a un truc là, merde. On pourra ouvrir là et faire un accès qui va sur le côté là. Et venir faire un accès ici, avec la porte là, ce serait pas mal ça. Un accès pour un premier enclos ici là. Donc, parce qu'ils n'ont pas besoin de grand, je crois, les derniers animaux qui nous restent. Donc là, il y aurait un enclos là. Là, on pourrait faire un accès par là pour un enclos là. Là, on pourrait faire un accès ici pour un enclos là. Et là, on aurait un dernier enclos là. Donc on pourrait avoir quatre enclos là. Quatre enclos ici, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, je pense. Je pense que ce serait pas mal. Et là, on pourrait faire du coup, vu que ce serait très classique, donc des bâtiments avec des différentes hauteurs et des escaliers. Ah ouais, mais je voulais pas mettre trop d'escaliers, j'avais dit. Ouais, on s'en fout. On s'en fout. Parce que je voulais faire un truc genre accessible PMR partout. Donc pas d'escalier. Pour le moment c'est le cas. Je crois. Oui, c'est le cas. C'est le cas. Ok, bon bah voilà, écoutez-moi sur ce, je vais vous laisser là. Voilà, la prochaine fois on essaiera de faire les enclos ici. Et je vais essayer d'avancer les décos du reste hors vidéo. Voilà, allez, donc moi sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous, ciao! Ah, zut, mon raccourci ne fonctionne plus.